Allô? J'espère que t'es pas sur un site porno. Non, je suis en train de bosser. Allez, descends, je suis en bas de chez toi. Déjà? Ben oui, je suis là, allez. Allez, j'arrive. Alors dis-moi, mon Jacob, pour aujourd'hui, on fait quoi? Alors aujourd'hui, pour ton anniversaire, je vais t'emmener à un concert. À un concert? Un concert. On va au Kiss FM live. Alors Jacob, on profite de ce petit moment avant qu'on rentre. Et est-ce que tu peux nous dire c'est quoi en fait le Kiss FM live? Ouais. En fait, le Kiss FM live, c'est un concert à ciel ouvert où tout le monde peut venir, c'est gratuit. Hein. Il faut juste avoir des places. Ou bien. J'écoute parce vous écoutez que je sais pas, alors pas je vous dis justement. Ok, alors je vous le dis, il faut juste avoir des places. Oui. Les places, il suffit de les gagner, de les demander, de les réclamer ou être invité. C'est assez simple, il y a plusieurs moyens d'en avoir. Mais c'est totalement gratuit. Et c'est la radio Kiss FM qui organise ça et la ville de Golfe-Juan. Et il va y avoir plein d'artistes comme Kinvé, David Hallyday et moult activités champêtres. Et ça commence à partir de quelle heure? Ça commence à 20h. 20h, ok, ouais. Merci beaucoup. Ah, ça va les amis? Ça va toi? Ça va. Ça va mon Matt? Bah écoute, ça va. Matt, Pazani. Pazani. C'est comme Kamadji, tu sais. On va s'appeler qu'avec des noms maintenant improbables. Pourquoi vous êtes là les gars? Parce que c'est quand même important. En fait, aujourd'hui, Ketchup Moutarde va s'occuper de tout le making of. De ce Kiss FM live, hein. On va aller rencontrer les artistes, on va aller rencontrer le public, on va faire un super petit making of sympa façon clip. Et en fait, toi, Izzy, tu vas making offer le making of. Le making of. Exactement. Okay. Et petite surprise en fait, c'est que le prince de Golfe-Juan sera là, mesdames et messieurs. Donc il va aller rencontrer le public, les emmerder un peu, les titiller dans la queue, dans la foule, en bord de scène, mais surtout la partie la plus rigolote, le prince de Golfe-Juan va aller piéger le chanteur Claudio Capeo. Oh que oui. Stylé de ouf. Par contre, tu es obligé de dire, le buffet là de Kiss FM Live, il est vraiment magnifique. Oui. Hey, mais attendez. On va pas tarder à commencer. Je vais aller chercher mes camarades pour voir ce qu'ils font, comment ils se préparent pour l'événement. Et chacun est dans son délire, alors on va les rejoindre de suite. Vous amenez une touche super jeune et dynamique et en même temps très professionnelle. Vraiment, je voulais que vous soyez présent avec cet esprit qui est un peu décalé, qui est
qui est pétillant et qui bouleverse, voilà, et qui bouleverse un petit peu les conventions habituelles. Ah ben c'est cool. En tout cas, on vous remercie énormément et on espère qu'on va se régaler aujourd'hui. 9-3. Il n'y a pas de raison. Là, on va voir Joe Mendes, il est en plein mix. On n'a pas le droit de ce qu'on fait là. On s'incruste. Bonjour, c'est un. Joe Mendes. Le mec, il est partout. Hein. Ça va, copain? Ça va, toi? La forme? Tranquille? Ouais, ça Salut, va. Joe Mendes? Hello! Tu fais ça le warm-up? Je fais le fait? Le warm-up, effectivement, ouais. Salut, Joe. Salut. Ça va? Ça va. On commence gentiment et puis après, on va faire monter la pression. Donc là, on est dans les coulisses du Kiss Live. Vous avez vu, il y a la scène, on a vu Joe Mendes, on va voir plein d'autres artistes. On va beaucoup voir moi aussi, c'est un port très 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 important. Alors, ils vous racontent des conneries depuis le début. Okay, vous êtes Kiss qui, FM, c'est moi. J'ai monté le plateau de A à Z. Les artistes, la musique, les textes, même les boys là, tu vois les gars en noir là comme ça, là qui se baladent comme ça, là, ils ont même plus besoin d'être derrière tellement on est fort. On fait tout à distance ici. Regarde la caméra, elle tourne toute seule, c'est incroyable ce qui se passe. Le Kiss FM Live à Jean-les-Pins, théâtre de la mer, le soleil, la température, les boys sont là, ouais. Je veux dire... Alors, deux choses, la première c'est Golfe Géant et pas Jean-les-Pins, et la deuxième c'est donc c'est toi Kiss FM, ouais. Donc pour la facture on t'envoie à toi ça. J'ai une comptable. Ah voilà, c'est ça. J'ai une comptable. Là. Elle adore faire des chèques. Okay. On a différentes sortes de chéquiers. On a ceux qui passent, ceux qui passent pas. Il y en a un que je connais bien, viens voir. Attends, il y a Dubourg. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous faites là Alors pour ceux là qui savent pas, Dubourg il fait une grande partie du collectif de Ketchup Moutarde. On est tellement ravis qu'il est là avec nous aujourd'hui. On va tourner avec lui le Prince et on va faire avec lui un peu tout ce qui est en dehors du Prince aussi aujourd'hui à Kiss FM Live. Je m'appelle Bernard, voilà, Lefto effectivement. Lefto avec Kiss FM, ouais, c'est avec ça. Eric. On va vous montrer ce que c'est que la famille Kiss FM et puis ce que c'est que le Kiss FM Live, quoi. C'est la fête, c'est les artistes, c'est en fait, c'est vu que c'est la fin de l'année, c'est un peu notre kermesse. On s'est amusé, tu te souviens à l'école, t'avais la kermesse. T'avais le chamboule-tout. Bon, là on fait pas chamboule-tout sur les artistes, hein, mais on s'amuse, les artistes viennent chanter, on a nos auditeurs, c'est la récompense de fin d'année. T'es en train de dire que Kiss FM, c'est une grande kermesse. Mais non, c'est une grande fête. D'accord. C'est la fête de fin d'année que t'avais à l'école. Là, voilà, à l'école, t'étais content, c'était la fin. Et bah là, c'est le Kiss FM Live. Alors, mon Jaco, on est à peu près à la moitié de la soirée, déjà presque tous les artistes sont arrivés. Je sais pas si tu peux montrer un peu. On va essayer de montrer un peu. Ça, c'est ce qui est Kiss FM Live. Je pense que les images parlent de elles-mêmes. C'est blindé. C'est, et là, on a le plaisir, blindé. On a le plaisir d'avoir Ange. Bon salut. Ange des collectifs métissés. Salut. Bonjour Ange. Bonjour, salut, ça va? Ça va et toi? Écoute, t'es en pleine forme, hein. On est content. Viens, on accueille la famille. Voilà. Arina, on appelle la touche de féminité, tu vois. Voilà. Ça je suis partie de la famille, mais je suis pas partie des collectifs. Attention à la famille métissée. Voilà, d'accord. Et on a une nouvelle à vous annoncer. Je vais bientôt faire partie des collectifs métissés. Non. Il a fait la demande, mais il est toujours en attente. Ah merde! Il sera en attente longtemps. Mais répondez-moi! Il y a Jérémy Frérot avec nous. Là, donc, on a un autre Jérémy. Pardon. C'est Jérémy officiel. Il fait un peu romantique. Avec qui? Avec Jérémy. On n'est pas bien, là, Jérémy. Oui, Jérémy. Non, avec moi. Oui, Jérémy. Je t'aime, Jérémy. J'ai dit, tu voudrais pas refaire un duo? Il dit non. Bon, alors là, on va préparer l'interview qu'on a fait pour Claudio. Et AKPO. C'est justement, on va leur demander parce qu'on comprend pas trop. On comprend Claudio. Pas. Non, en fait, pour les gens, c'est Claudio AKPO. On est tous d'accord. Sauf qu'en vrai, il y a un groupe derrière. Il y a Claudio et AKPO. Exactement. On va leur demander. Vous savez quoi? On va leur demander. On va leur demander. Qu'est-ce que c'est leur groupe? Tu vas le chercher? C'est Claudio AKPO. Oui, il faut. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc c'est Claudio, les gars, déjà merci de nous accorder cette mini-interview. Mini-interview. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. On adore ce que vous faites. À côté qu'à là, il va falloir accélérer. Oui, on va accélérer. Écoute, moi j'ai une question déjà. Il y a Claudio AKPO. Ouais. Alors expliquez-nous parce qu'on comprend pas trop. Claudio, nous c'est on ça. Parle de Claudio AKPO. Ouais. On sait qu'il y a un groupe derrière. Donc il y a Claudio, c'est ouais, toi. Tout à fait. Et AKPO, c'est derrière, c'est le groupe. C'est AKPO, c'est le groupe, c'est les copains. On est tous des AKPO, mais t'as Claudio AKPO, t'as Julio AKPO, t'as Xavier AKPO. Okay. T'as Julien AKPO. On est c'est la famille, les mecs. Et vous connaissez depuis longtemps? On se connaît depuis la maternelle. Depuis la maternelle, vous êtes amis d'enfance? Ouais, exactement. Ça, c'est magnifique. Carrément. Les gars, c'est magnifique. Carrément. Moi, j'ai une autre question. C'est qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes ou autres pour réussir?
Bah, travailler, prendre plaisir là-dedans. Et puis y croire, et puis rien lâcher. Ouais. Travailler, croire, rien lâcher. Moi, je suis d'accord avec vous, les gars. Boum, boum, boum. Ok, les gars, vous allez monter sur scène. Oui, on va y aller. Vous allez faire combien de chansons? On va faire 5 titres. 5 titres. 5 titres. Ah, quand même. Ouais, quand même. On va le faire. Ouais, j'espère que. On va s'en lancer. C'est cool. Bim! Claudio! Allez, allez! Claudio, des KPO donc! Ah, en fait, c'est tous des KPO! On a toujours rien compris! T'as pas compris? Oh putain! Tu sors là! Alors, nous voilà, en finissant la journée, on a vlogué, on a kiffé, on est dans les loges de Kiss FM Live. Ouais. Mais c'est bon, tu peux rigoler, tu as le droit de rire pour cette dernière vidéo, n'est-ce pas? Ah, mais tout seulement, moi je suis pas. Épisode 2 du vlog KM Live. Regardez, on avait avec nous Steven, présente de TV Bourg. On avait avec nous Matt, qui a réalisé le making of de ce Kiss FM Live. Et avec ceci, on voulait vous dire que partagez la vidéo, aimez la vidéo, et soutenez la chaîne. Nous voulons en droite. Et des petits pouces sur YouTube. Les petits pouces et à la prochaine les amis. Ciao.